premier gros coup. C'est une enquête dangereuse, hein. D'autant plus que le New York World ne lui assure pas de la sortir de cet institut. C'est un premier gros coup qui va avoir des répercussions, certes, au niveau de sa propre vie à elle, c'est-à-dire qu'elle s'est engagée à la pige au New York World, mais ça a des répercussions très importantes au niveau social. La ville de New York va se porter en justice et attaquer donc l'institution qui gère l'hôpital de Blackwell. Elle va lire dans la presse, dans le Pittsburgh Dispatch, la lettre d'un homme qui est un père et qui ne sait plus quoi faire de ses filles. Il craint d'avoir à les garder et à les nourrir jusqu'à la fin de ses jours. Il n'arrive pas à les marier et donc il appelle au secours. Et là, Nellie Bly prend la plume et va exprimer toute sa colère en disant « Mais si seulement les femmes étaient élevées comme des hommes, elles travailleraient. » Et les pères n'auraient plus à se poser ce genre de questions terribles. Elle va dénoncer les sociétés, les entreprises, les industries de Pittsburgh qui utilisent des femmes, les salariés très peu chers, leur font signer parfois des contrats alors qu'elles ne savent pas lire et qu'elles sont des migrantes à peine sorties du bateau. Le dispatch va avoir des retours contrariés des industriels et va cantonner Nellie Bly à des petits articles sur la roseraie, sur l'opéra, sur la mode, etc. Donc elle quitte Pittsburgh en hiver et elle va au Mexique. Elle s'est engagée en tout cas à écrire des articles touristiques sur le Mexique, mais tout doucement elle va découvrir qu'elle vit dans une dictature et elle va dénoncer la situation des indigènes, elle va dénoncer la situation des journalistes, des pauvres et la situation des puissants, comme d'habitude. Elle va être mise dehors du Mexique. Ensuite, elle va vouloir faire carrière à New York parce qu'elle pense qu'elle a la puissance, la grâce et l'intelligence pour faire carrière, donc elle y va. Et évidemment, aucun des grands manias des médias de New York ne va lui ouvrir sa porte. Donc, elle va, parce qu'elle est futée, elle va se lancer dans une grande interview de ces hommes-là, des rédacteurs en chef, en disant « Y a-t-il une place pour la femme journaliste à New York ?» et demander des interviews pour qu'ils répondent à ces questions-là. Et évidemment, ils seront ravis de répondre à ces questions-là. Et comme ça, elle va pouvoir les rencontrer. Elle va taper dans l'œil du rédacteur-chef du New York World qui s'appelle M. Cockerill. Et quand il aura besoin d'une femme, il se souviendra de Nellie Bly. Nellie Bly, c'est une femme qui prend la parole. Elle va défendre les femmes en général. Elle a toujours refusé de participer aux meetings politiques, considérant que son exemple devait suffire. C'est qu'elle n'a pas le temps. Elle doit manger. Elle doit gagner sa vie. Elle est chef de famille de sa maman, de sa sœur et de sa nièce. Et chaque fois, elle est obligée de refaire un coup quand sa carrière commence à décliner, qu'on lui propose moins de choses ou qu'on lui prend moins ses articles. L'intérêt du féminisme, c'est qu'il se traduit suivant la femme qui le porte. Je pense que Nellie Bly portait le sien. Il n'y a pas d'image arrêtée. Voilà, c'est en mouvement.